Alors, debout, s'il vous plaît, pour un moment de recueillement. En considérant que nous avons quorum, je déclare la séance ouverte. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, bienvenue tout le monde, citoyennes et citoyens qui sont parmi nous aujourd'hui, ceux qui nous écoutent à la télévision à la maison, ou ceux encore qui nous écoutent et nous regardent par le truchement du web, puisque nous sommes maintenant sur la toile, alors c'est plus facile pour certaines personnes. Les sorties c'est les mêmes, celles par où on est tous et toutes entrés, et celles qu'il y a à ma droite, là, sur le mur extérieur, ce sont des sorties de secours. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Période de questions des citoyens, bien, étant donné que c'est une séance extraordinaire, on ne peut poser des questions que sur le dossier qui est aujourd'hui inscrit à l'ordre du jour, signifié, qui est le dossier des ententes sur l'amphithéâtre. Alors, je ne peux pas accepter d'autres questions sur d'autres sujets, malheureusement. Je demanderai aussi aux membres du conseil et tous ceux qui sont dans la salle de programmer les cellulaires en mode silence, évidemment, pour la bonne marche de nos travaux. De ne pas circuler aussi sur la tribune en arrière parce que c'est réservé aux journalistes. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, proposé par M. Simon Brouard, c'est appuyé par Mme Christiane Bois. Évidemment, il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, c'est une séance extraordinaire, comme je le mentionnais tantôt. Point 2, matière à soumettre au Conseil d'agglomération DG 2011-068, Mme la greffière. Alors, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'autorisation de conclure les conventions et baux découlant de la proposition faite par Québécois Média Incorporé le 26 février 2011 relativement au nouvel amphithéâtre multifonctionnel de Québec et de permettre les interventions de la Ville de Québec et d'expositer à ces documents et à leurs annexes. Alors, le dossier est proposé par M. le maire. C'est appuyé par M. Richard Côté, qui a des interventions des élus sur le dossier. M. Guilbeault, ou M. le maire va le présenter d'abord. Oui, c'est vrai. Allez-y, M. le maire. Alors, M. le Président, j'aimerais dire à la population de Québec que le rêve devient de plus en plus réalité. Alors, depuis l'intention, voire l'engagement annoncé en octobre 2009, en plein cœur de la campagne électorale, le projet de doter notre région et l'Est du Québec d'un amphithéâtre multifonctionnel se matérialise en vertu des ententes conclues avec notre partenaire Québécois Média. D'ailleurs, cet après-midi, tout à l'heure, je recommanderai au nom du comité exécutif, aux membres du conseil municipal, ce que je viens de faire, et du conseil d'agglomération, d'approuver ces ententes. Il s'agit d'une étape majeure qui a été franchie au cours des derniers mois et qui consistait à préciser les clauses convenues et contenues dans l'entente de principe de mars dernier. Je vous rappelle pour mémoire les assises ayant conduit à cette première entente. Tout d'abord, les deux parties devaient convenir d'une entente socialement et financièrement acceptable. Et aussi, les deux parties devaient viser une entente de type gagnant-gagnant. Et je peux vous affirmer aujourd'hui, M. le Président, que nous avons atteint tous nos objectifs. Mais comme le diable est dans les détails, il restait beaucoup à faire pour que ces principes se traduisent par des engagements précis d'ordre juridique. C'est ce à quoi notre équipe de négociateurs, formée principalement par Maître Serge Hiasson, directeur du service d'affaires juridiques, et sa collègue Maître Emmanuelle Toussaint, s'est employée au cours des derniers mois, et je ne vous cacherai pas que la tâche a été longue et par moments difficile. Et je profite de l'occasion qui nous est donnée devant la population pour remercier très chaleureusement Maître Hiasson et Maître Toussaint, ainsi que mon chef de cabinet Louis Côté, pour leur travail et m'excuser aussi personnellement pour avoir gâché leur été. Il leur fallait prévoir l'imprévisible et s'assurer que les intérêts des résidents de Québec et des Québécois soient protégés. La négociation entre un corps public et une entreprise privée n'est pas une chose simple, du fait que l'une de ces parties est assujettie à une dynamique réglementaire, donc la Ville, alors que l'autre l'est en vertu des règles du marché québécois. Pour faire image, cela impose la même gymnastique à laquelle a été confrontée l'équipe de scientifiques responsables
du retour sur Terre de l'équipage d'Apollo 13, à savoir rentrer un carré dans un cercle. Il faut le faire comme disait Voltaire. Voilà la tâche à laquelle s'est attaquée notre équipe de négociateurs. Le fruit de leur travail se traduit par un document qui établit clairement et dans les moindres détails les obligations et les responsabilités de la Ville et de Québecor Média. Des mois de travail qui démontrent hors de tout doute la bonne foi de Québecor Média, sa vive intention de doter notre ville d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, son respect pour l'organisme « J'ai ma place » et pour deux institutions de notre ville, soit les Remparts de Québec et le tournoi international de hockey Pee-Wee, ainsi que son intention de se conduire en véritable partenaire. Manifestement, Québecor Média, par la voix de son président-directeur général, ne pouvait offrir plus aux Québécois. Je le remercie très sincèrement pour sa confiance et surtout pour sa participation au développement d'un équipement susceptible de contribuer à la revitalisation d'un district de notre ville, le district de Limoilou, mais également au rayonnement de notre région à l'étranger. Ce geste est tout à l'honneur de Québecor Média et de son président-directeur général, M. Pierre-Carl Péladeau, qui comprend depuis le début le sens de notre démarche et adhère à notre volonté de faire de Québec une ville attrayante. Nous y travaillons, M. le Président, et nous y arriverons. Il s'agit d'un engagement que tiendra mon équipe, et ce, contre vents et marées. Ceci dit, j'entends déjà certains d'entre vous se questionner par rapport à la suite des choses, notamment le projet de loi 204. À ce que je sache, autant le premier ministre que les ministres Laurent Lassard et Sam Ahmad ont confirmé à ce jour que le projet serait voté à la rentrée parlementaire. Quelle sera la suite, direz-vous? À court terme, soit cet automne, nous entendons poursuivre des analyses géotechniques visant à caractériser le sol à plusieurs endroits sur le site d'Exposité afin de déterminer le meilleur endroit pour construire l'amphithéâtre. Parallèlement à cette démarche et en vertu de la gouvernance des grands projets d'infrastructure au gouvernement du Québec, nous recevrons une description des besoins pour le contenu du bâtiment et à partir de là, une équipe de professionnels aura pour mandat de préparer ce qu'on appelle un programme fonctionnel et technique. Et les résultats de cette étude seront déposés au comité directeur formé de représentants de la Ville et d'Infrastructure Québec au plus tard le 31 décembre prochain. Par la suite, une autre équipe de professionnels commencera à élaborer un concept architectural qui permettra d'établir avec une certitude de 70% le budget nécessaire à la réalisation de l'amphithéâtre. Le comité directeur recevra cette étude le 31 mars 2012. Je veux dire à la population que je veux qu'elle sache que j'ai personnellement aussi hâte qu'elle de voir la machinerie s'activer sur les terrains d'Exposité. Et c'est une question de moi, me dit-on. Quant aux démarches de M. Béladeau avec les officiers de la Ligue nationale de hockey, cela lui appartient. Mais connaissant son intérêt pour la chose, je parie qu'il agira plus rapidement maintenant que le ciel est plus bleu qu'ombragé et que les planètes sont alignées. Maintenant, voyons les principaux paramètres des ententes. L'entente avec le gestionnaire Québecor Média Incorporé est d'une durée de 25 ans et cette entente est fermée. Je prends 2 secondes pour en ajouter là-dessus. En aucun temps, Québecor ne peut se libérer de son obligation de payer le loyer sur l'amphithéâtre pendant 25 ans et de payer intégralement le droit de nommer l'édifice. À la limite, cela peut dire, et c'est tout à fait utopique, mais pour bien illustrer le sujet, Québecor aurait une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec, déciderait la vente au bout de 10 ans. Il devrait continuer pendant 15 ans à payer le loyer du futur amphithéâtre. Et la Ville et QMI se sont consentis un retrait mutuel possible au 31 mars 2012 dans l'éventualité où le budget estimé pour la conception et la construction de l'amphithéâtre soit dépassé de façon importante. La pérennité du bâtiment est garantie en vertu d'une charge contractuelle et le gestionnaire doit maintenir en vigueur des assurances et entretenir et réparer les locaux exclusifs. Par ces quelques dispositions, les contribuables de la Ville de Québec sont assurés que leurs investissements sont protégés. Ça veut dire intégralement aussi que notre plan financier, le plan financier qu'on a présenté à la population dans les multiples rencontres qu'on a tenues à l'automne passé, est d'une durée de 25 ans
et les obligations contractuelles signées avec Québecor, qui pourraient être adoptées aujourd'hui, font en sorte que nous allons respecter le plan financier totalement. Le consentement de Québecor Média à ces quelques dispositions démontre hors de tout doute l'engagement de cette entreprise à contribuer à la concrétisation des objectifs poursuivis par la Ville. Il s'agit d'un acte de foi, tout à l'honneur de l'entreprise et de son président-directeur général, et nous ne pouvions espérer plus. Il faut aussi comprendre que quand vous avez contracté avec un partenaire comme la Ville de Québec pour 25 ans ferme, vous pouvez, sachant que vous devez demeurer dans cette ville-là pour 25 ans et y faire des affaires, vous pouvez prévoir investir à long terme. Et c'est là que la valeur de la présence de Québécois prend tout son sens. C'est qu'en sachant qu'elle doit contractuellement être à Québec pour 25 ans, elle pourra développer de multiples activités corporatives à Québec, en plus du hockey. Et là, je parle évidemment, éventuellement, probablement de production, ce qu'on espère depuis très longtemps à Québec. L'investissement des contribuables de Québec et du Québec est protégé par une garantie de la part de Média dans tous ses engagements. La Ville acceptant de prendre un risque minimum, soit l'équivalent des coûts reliés à un équipement vétus, c'est-à-dire le colis actuel, qui coûte à peu près plus ou moins 800 000 $ par année, et ce, en contrepartie d'un projet emballant et porteur pour la collectivité d'ici et de l'Est du Québec, qui est le nouvel amphithéâtre. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, soit privilégier le statu quo ou encore faire un pas vers l'avant. C'est le choix que je fais en accord avec mon équipe. Notre région et l'Est du Québec méritent qu'un équipement semblable voie le jour. Tout est possible, nous le démontrons de façon éclatante depuis 2008. Nos citoyens et notre ville méritent un équipement digne d'une capitale. L'avenir nous appartient. À nous de le prendre à bras-le-corps en acceptant de nous lancer dans ce projet emballant, en partenariat avec une entreprise qui croit en nos moyens, mais surtout une entreprise qui partage notre rêve. Merci. Merci, M. le maire. Alors, est-ce qu'il y a des interventions des élus? M. Bussière, vous aviez levé la main, je pense. M. Guilbeault? 3 minutes, allez-y, M. Guilbeault. C'est 3 minutes, M. le Président. Pardon? C'est 3 minutes. Oui, comme le dit le règlement. Je pensais que c'était une réponse au maire. Monsieur le Président, c'est connu. Je suis parfaitement favorable à la construction d'un amphithéâtre depuis le début. J'ai fait campagne électorale là-dessus, comme tous les membres d'équipe La Bombe. À la différence qu'on avait à ce moment-là, dire à nos concitoyens qu'on investirait 40 millions, là, c'est 200 millions à peu près. On ne parle pas de dépassement de coûts. Et là, on arrive aujourd'hui avec une deuxième ébauche d'un projet qu'on a déjà accepté le 7 mars. Et évidemment, dans l'ébauche du 7 mars, le projet, on s'est aperçu dans tous ces documents qu'on nous a remis, que moi j'ai reçus le vendredi soir, qu'il y avait des modifications importantes à l'entente originale, à savoir que le projet qui devait être de 25 ans plus 5 années d'option en faveur des Québécois passe de 25 ans à 40 ans, que le gestionnaire n'a plus les mêmes responsabilités qu'on avait prévues, qu'il y a un programme fonctionnel technique qui va faire en sorte que Québécois doit devoir approuver au début de 2012 le plan et les coûts de l'amphithéâtre, alors qu'il devait tout simplement avoir un comité consultatif et Québécois ne devait pas avoir de pouvoir décisionnel. Alors, Monsieur le Président, je regrette cette entente-là qui nous est proposée. L'original n'était pas on n'était pas d'accord avec la première. Nous sommes encore, moi, en ce qui me concerne, beaucoup plus en désaccord avec la seconde, parce que, évidemment, ce qui va se produire, entre autres, comme changement, c'est que si l'amphithéâtre devait être démoli en cours, démoli ou il y aurait un cataclysme ou quoi que ce soit, on doit le reconstruire. Le contrat est fait de telle sorte que il est favorable en entier à Québécois, alors que moi, je suis habitué à avoir des contrats de la Ville qui sont favorables à la Ville. La Ville donne à Québécois une voiture, une Cadillac, Monsieur le Président, une Cadillac
dont elle va, qu'elle va payer, qu'elle va financer, qu'elle va assurer en partie, qu'elle va entretenir pendant possiblement 40 ans et qu'elle va reprendre usager sans avoir eu le profit, sauf des spectacles à lesquels les citoyens iront, sans savoir si on aura ou pas une équipe de hockey, M. le Président. Cette entente-là n'est pas avantageuse pour les citoyens de la Ville de Québec. Les citoyens de la Ville de Québec vont payer des taxes année après année jusqu'à l'expiration du contrat pour faire vivre cet amphithéâtre-là et on ne sait pas à quel niveau on va le payer. On aurait pu faire autrement, M. le Président. On aurait pu garder la propriété de cet amphithéâtre-là, le construire et le garder et, bien sûr, donner des contrats, soit de bail hockey, soit un bail pour le spectacle. Et suivant la performance de chacun, soit les mettre en concurrence, soit les changer s'ils ne sont pas performants. Là, on met tous nos œufs dans le même panier pour 25 ans et possiblement 40 ans, et avec les mains liées, alors que Québécois a la possibilité, en vertu du contrat, de se retirer à plusieurs occasions, ce que la Ville n'a pas la possibilité de faire, M. le Président, sauf si Québécois fait faillite ou des choses comme celles-là dans le même genre. Alors, M. le Président, je dois vous avouer que je suis très déçu de l'entente qui est passée avec Québécois. Je pense que c'est un machin de dupe pour les citoyens de la Ville de Québec. Et j'espère toujours qu'elle va être visée. Merci, M. le Président. Merci, M. Guilbeault. Madame Guérette. Merci, M. le Président. Alors, bien sûr, on a fait beaucoup de bruit dans les derniers jours en lien avec l'entente finale. Puis au fond, l'entente finale, c'est le reflet à quelques petites différences près, là. C'est quand même le reflet. Ça reflète l'essence de l'entente de principe sur laquelle j'ai voté contre au mois de février dernier. Donc, mon idée n'a pas changé. Je pense, moi aussi, comme mon collègue M. Guilbeault, que nous aurions pu faire autrement. Évidemment, le maire et les membres de son équipe en ont décidé autrement. Maintenant, la balle est dans leur camp. Je vois pas. Je pense que, M. le Président, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ce dossier-là. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai fait mes mises en garde. Je répéterai pas aujourd'hui tout ce que j'ai dit dans ce dossier-là depuis la dernière année. La seule chose que j'ajouterais, c'est qu'au fond, je suis quand même contente qu'aujourd'hui, on en arrive à un jour où on va passer à autre chose. Parce que vous savez, Monsieur le Président, on dirait que depuis un an, la Ville de Québec, c'est un amphithéâtre. On parle énormément de l'amphithéâtre. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres dossiers importants pour nos citoyens sur lesquels j'ai le goût de travailler puis peut-être d'avoir un impact positif. Alors voilà, je suis quand même contente qu'aujourd'hui, ce soit la fin là, de certaines étapes importantes dans ce dossier-là. Et maintenant, c'est ça. Alors, je suis prête pour les autres dossiers dans les mois à venir qui sont importants aussi pour les citoyens de Québec. Alors, bien sûr, je me poserai contre ce dossier-là, comme je l'ai fait en février. Merci. Merci, Mme Guérette. Est-ce qu'il y a d'autres interventions des élus? M. Bussière. Monsieur le Président, cet après-midi, le Conseil municipal ne prend pas la décision d'adopter ou d'accepter l'entente, mais c'est plutôt une autorisation de soumettre cette entente-là au Conseil d'agglomération que nous donnons au maire. Parce que les décideurs de l'entente finale, c'est vraiment, effectivement, le conseil d'agglomération qui en décide, compte tenu que c'est un équipement d'agglomération. Et nous, lorsque le 7 mars dernier, nous avons effectivement accepté l'entente de principe, qu'on voit aujourd'hui tous les documents qui viennent des baux, tous les documents juridiques qui découlent de la proposition que nous avions faite. Il y avait deux volets. Il y avait le volet de respecter les autorisations nécessaires à l'acceptation. Nous sommes en train de les faire, à savoir de recommander à M. le maire d'aller lui donner une orientation pour négocier tout à l'heure avec le conseil d'agglo. Vous savez qu'en termes de procédure, je n'en ferai pas un abus de procédure. Nous aurions pu arriver avec des amendements séance tenante, compte tenu que ce n'est pas un dossier du comité exécutif, mais bien une orientation que le maire, selon la loi. Mais je vais vous dire les raisons pour lesquelles
je vais maintenir ma décision du 7 mars. C'est que au 7 mars, on n'avait pas non plus l'information des autres ententes. Maintenant, j'ai l'ensemble de l'information. Et j'en remercie, M. le maire, parce que la rencontre d'hier a été civilisée. Et je veux dire, aux citoyens et citoyennes, ça a été d'un autre climat que le climat qu'on voit souvent au conseil municipal. Mais vraiment, ça a été une séance de travail. Et j'ai reçu réponse à mes questions et je peux voter en conscience. La maire dit que le niveau de risque est minimal. Pour ma part, on va dans un méga projet et c'est un projet, à mon point de vue, à haut risque financier. Donc, dans un premier temps, c'est un équipement public. J'aurais souhaité que ce soit une société d'État, comme le recommandait la firme EY, à savoir de confier ça, non pas à un OSBL formé par Pelado, mais bien un peu comme le Centre des congrès, une corporation d'État, compte tenu que c'est un bien public. Ce ne sera pas le cas. Deuxièmement, dans le dossier, le maire l'a démontré lors des séances d'information. Sans club d'hockey, c'est un gouffre financier et l'entente actuelle ne vient pas nous garantir ou bonifier ou nous rassurer dans le sens que aussi longtemps qu'on n'aura pas un club d'hockey, on peut mettre en garantie renoncer notre loyer pour aller à 50% des pertes de l'opération qui va avoir lieu en spectacle. Moi, pour ma part, en affaires, je l'ai mentionné ce matin et lors de la rencontre aussi hier, là, habituellement, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Fait que pour moi, monsieur le Président, en conclusion, on a l'impression de marcher sur un fil de fer, mais c'est un fil de fer à haut risque, sans filet, que M. Labeaume décide d'aller avec son équipe. Moi, j'aurais aimé assurer un filet à la population. Je pense que le risque financier, compte tenu, j'aurais aimé que ce soit les mêmes conditions qu'un club de hockey par rapport au loyer pour conserver au moins notre loyer. Donc, lors du vote tout à l'heure, je vais maintenir la même décision, M. le Président, que le 7 mars, dans le sens que je recommanderais au maire de négocier avec les collègues de l'agglomération ces changements, parce que l'orientation qu'on veut lui donner, c'est peut-être qu'il en tienne compte, mais il va maintenir effectivement l'entente dans son intégrité. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la part des élus de la salle du conseil? Monsieur le maire? Monsieur le Président, il n'y a pas de surprise. Depuis des semaines, il y a un groupe assez solidaire qui s'oppose de toute façon à l'amphithéâtre. On a l'opposition ici, on a les deux maires, puis on a M. Debelval et son équipe. C'est un groupe assez compact qui le font. Ils ont le droit. J'espère qu'ils le font pour les bonnes raisons, parce qu'en politique, et c'est ce que les gens, c'est ce qui fait désespérer les gens de la politique, ce sont ces gestes de s'opposer pour s'opposer. Mais ils ont le droit de le faire. Alors, on va respecter leur opinion. Contre le mensonge, on ne peut pas faire grand-chose, alors je n'élaborerai pas là-dessus parce que on n'en finirait plus. Je veux dire à la population de Québec qu'elle a raison parce qu'à 80%, elle nous soutient. Et vous demanderez à tous les collègues ici, avec toutes les oppositions, cette opposition compacte-là des deux maires, des gens de l'opposition, du groupe de M. Debelval, les gens nous disent sans arrêter, lâchez pas. Et nous ne lâcherons pas. Dans nos décisions, on a le droit de prendre toutes les décisions qu'on veut en démocratie. Il faut juste se souvenir qu'on est dans une situation de service public et que les gens nous honorent pas nécessairement ou n'honorent pas nécessairement tous les politiciens qui s'opposent pour s'opposer. Bon, alors, ceci étant dit, je sais que le rêve que nous partageons avec la population de Québec est en marche. À vaincre sans péril, nous triomphons sans gloire. C'est pas sûrement pas ça qui va nous arriver quant à nous autres. Il reste deux autres étapes alors que l'Assemblée nationale vote 204, et je le répète, ce que nous avons fait était tellement légal parce que la charte de la Ville de Québec, par son article 62, dit qu'on peut complètement faire ce que nous faisons et elle l'emporte sur la loi des cités civiles, qui, elle, dit d'autres choses. Il y a donc un trou entre les deux lois. Et je pense qu'on va servir, on va être utile à tout le Québec parce qu'on a fait ce geste-là, à cause de ce dossier-là, le gouvernement va changer la loi des cités et villes.
ça veut juste dire que nous avions raison, on a encore raison, et pour ceux et celles qui écrivent encore et qui disent encore si c'est illégal, je veux leur dire que s'ils le répètent, ils mentent tout simplement. Ils mentent tout simplement. Alors, on est fiers de ce qu'on a signé. On est fiers du travail accompli cet été. Je pense que la population est fière de tout ce qu'on fait, pas nécessairement pour nous autres, mais fière du dossier qui chemine. Puis, bon Dieu, on leur revient en mars, en avril, avec résultat de tous les coups de l'amphithéâtre. Ce sera la dernière décision qu'on va prendre, puis bravo pour notre rêve. Merci, M. le maire. Il y a d'autres interventions de la part des élus? M. Husset, vous voulez intervenir? Non, mais je vais vérifier, voir si vous avez le tour des interventions. Oui, mais... Si vous permettez un petit commentaire. Étant donné que l'important du dossier, M. le maire, ceux qui n'avaient pas parlé, s'ils voulaient parler, je vous aurais donné une conclusion à la fin, là. Étant donné que c'était un dossier d'importance... Bien, si vous me permettez, M. le Président, je voudrais juste dire que je vais respecter la décision démocratique de mes collègues. Je sais que les membres de l'équipe La Bombe ont la même information que j'ai. Et puis, ils prennent une décision en toute conscience et je respecte leur décision. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une instance démocratique et je fais pas ça juste pour m'opposer. C'est qu'en conscience, M. le Président, je pense qu'il y a des risques qu'on aurait pu minimiser pour les citoyens de Québec. Mais je comprends aussi que lorsqu'on est un investisseur, vous avez des placements comme moi. Moi, je ne fais pas des placements au risque. Je vais avec plutôt des bons du gouvernement du Canada ou du Québec ou des choses pas trop risquées. Ça dépend du niveau de risque. Bien, il y en a qui osent, puis c'est tout à votre honneur de marcher sur un fil sans filet. Mais moi, j'aurais aimé assurer un filet, effectivement, à mes citoyens. Mais je respecte. Je sais qu'en conscience, les collègues vont voter en conscience puis qu'ils croient vraiment que c'est la meilleure entente. Mais pour ma part, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je vais demander le vote, M. le Président. Alors, le vote est demandé, évidemment, par rapport aux propos que j'ai entendus. J'aurais demandé le vote. M. le maire, avant que le vote soit demandé, avez-vous des commentaires additionnels, M. le maire? En terminant. Écoutez, je dirais... On peut agir comme il agit, mais c'est pas comme ça qu'on développe une ville. Cette ville-là, disons-le, là, puis tout le monde le savait, elle stagnait. Nous, on était élus en disant qu'on la développerait. Alors, à un moment donné, il faut oser un peu, mais on sait compter aussi. On peut jouer fessier, il n'y a pas de problème, on a le doigt, mais pendant ce temps-là, la ville stagne. Puis dites-vous bien que notre ville est en compétition avec toutes les villes en Amérique du Nord. Les jeunes quittent Québec, quittent moins, mais notre ville est en train de se vider de sa jeunesse, M. le Président. Je reviens à ce qu'on disait il y a 4 ans, on fait 4 ans bientôt. Notre ville se vidait de sa jeunesse. C'est une ville qui vide de son sang, M. le Président. Qu'est-ce que veulent les jeunes pour accepter de revenir vivre dans cette ville-là ou d'en attirer d'autres de l'extérieur pour venir vivre ici? Ils ont besoin d'ambiance, ils ont besoin d'avoir du plaisir, ils ont besoin de triper, passez-moi l'expression. Ce qui manque dans cette ville-là, c'est tout l'engouement que nous procure culturellement notre sport national. Aller à Montréal pendant les séries éliminatoires, du plus jeune au plus vieux, tout le monde s'éclate, les gens ont du plaisir. Et ça, ça fait partie de la vie dans une ville. Et les jeunes particulièrement ont le goût de vivre ça. Et si on fait tout ça, c'est parce que c'est pas juste pour avoir du hockey et des spectacles, parce qu'on pense que cet outil-là va nous permettre de nous développer, parce que notre ville, le problème qu'elle a actuellement, c'est un problème de main-d'œuvre. On a la ville au pays où la ville est la région qui a le plus bas taux de chômage dans ce pays-là. En bas de 5 %, M. le Président, on est dans le chômage frictionnel. Ça veut dire qu'on a besoin de main-d'œuvre. Et ce qu'on a besoin, c'est nécessairement de la jeunesse. Et pour que la jeunesse vienne, un équipement comme ça, c'est attrayant. Et tout le monde le sait. Alors, c'est pas du hockey pour du hockey. C'est pas des spectacles pour du spectacle. Ça fait partie d'un objectif, d'une vision de ce qu'on veut dans cette ville-là. Et cet équipement-là est une pièce majeure de l'accomplissement de cette vision-là. Merci. Merci, M. le maire. J'ai volontairement
comment dirais-je, interpréter le règlement afin que toutes et tous les membres du conseil puissiez dire ce que vous aviez à dire sur le dossier. Ça m'apparaissait important. Je pense que c'est important pour les citoyens. Les gens nous écoutent, nous regardent. Je pense que tout a été dit. Même si, des fois, j'ai laissé un peu plus de temps, c'est important. Je pense qu'on le fasse. C'est un dossier, encore une fois, d'envergure. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur du dossier par la main levée, s'il vous plaît? C'est-à-dire, par l'autorisation de soumettre au conseil d'agglomération les ententes. Est-ce que ça va, Mme Lagraffière? Je voudrais, Mme Lagraffière, que vous ajoutiez mon vote favorable à cette proposition. Quels sont ceux qui sont en défaveur de la proposition par le même signe? Alors, M. Guilbeault, M. Bussière, Mme Guérette. Ça va, Mme Lagraffière? Alors, la proposition est adoptée avec la dissidence d'une conseillère et deux conseillers. On en est maintenant à la période de questions des citoyens, le point 3. S'il y a des questions des citoyens qui sont avec nous dans la salle, c'est le moment de poser. Mais encore une fois, ce sont des questions qui doivent être sur le sujet à l'ordre du jour spécifié dans l'avis de convocation. Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions à poser? Alors, s'il n'y a pas de questions à poser, nous en sommes au point 4, à la clôture de la séance, et la séance est close. Bonne fin de journée, tout le monde.